Iris Mittenaer, ce gros changement dansé depuis sa rencontre avec Digo El Glaoui. Iris Mittenaer et Digo El Glaoui l'ont déjà avoué, c'est dans un cadre professionnel qu'ils ont d'abord fait connaissance. Avant de se mettre en couple, une collaboration qui s'est avérée très fructueuse pour l'ancienne Miss Univers. Après des échecs amoureux qui l'avaient beaucoup fragilisée, Iris Mittenaer avait fait la rencontre. En 2019, de Digo El Glaoui. Très vite, le jeune homme était tombé sous le charme de la sublime reine de beauté. Élue Miss Univers 2016. En février 2022, lors d'une interview vidéo accordée aux éclaireuses, Iris Mittenaer n'avait pu s'empêcher de fondre en larmes en évoquant sa rencontre inespérée avec celui qui partage désormais sa vie depuis près de 4 ans. « Je suis hyper fière de notre couple parce que l'amour, on le sait, c'est pas facile. On traverse des hauts, des bas, j'ai pas toujours été avec les bonnes personnes. Ça a été hyper dur pendant un moment, et j'ai rencontré Digo à un moment où j'y croyais plus et je pense que c'est quand on n'y croit plus que ça arrive », avait confié l'influenceuse. Mais Digo et Iris ne l'ont jamais caché, c'est d'abord dans un cadre professionnel qu'ils ont fait connaissance. Puisque l'homme d'affaires souhaitait à tout prix collaborer avec l'ancienne Miss. Pour son agence We Are Influence. Moi j'avais très envie de la signer au sein de mon agence et donc forcément on a été amené à passer du temps autour de rendez-vous. On s'est retrouvé dans des cadres professionnels ou amicaux, si on peut dire, et la relation personnelle a rapidement pris le dessus. Avait-il ajouté, dans la même interview. Faux amoureux, les deux influenceurs avaient annoncé leur fiançailles en août 2022. Après une escapade sur le lac de Côme où Digo avait sauté le pas. Depuis, des rumeurs de séparation sont malheureusement venues assombrir le tableau. Même si Iris et Digo ont tous deux démenti à plusieurs reprises les présumées tensions dans leur couple. Une chose est sûre, la collaboration professionnelle entre les deux tourtereaux a largement porté ses fruits. Comme l'a confirmé Public, dans le dernier numéro paru ce vendredi 14 avril. Depuis qu'elle a signé au sein de l'agence de Digo El Glaoui, Iris Mittenaer aurait multiplié son chiffre d'affaires par 10. En moins d'un an. Un véritable jackpot pour l'ancienne étudiante en dentaire, qui voyage désormais aux quatre coins du monde grâce à ses activités très lucratives.